la virgule, ne régule plus la société et plus encore la circulation intellectuelle au quart de tour. C'est dire à quel point les contours laissent tant à désirer. D'où toute la difficulté à argumenter sur ce doute mais qui persiste et plane. De quoi là voir autrement les choses. Et cela n'est autre qu'un plan insidieux fait pour nous faire renoncer de notre démarche, pour nous faire renoncer de notre lutte et de notre détermination. Ce qui met en péril là plus d'une nation qui, par l'argumentaire, je déroge à la règle tout en délogeant de leur complot les esprits malsains. Oui, parfois, il y a du confort dans la virgule, tant qu'elle nous incite à la prose qui mène là à la pause et plus en temps de guerre. Et de toute autre incompréhension qui relève de la folie des hommes. Oui, de la virgule, j'en ai fait là mon affaire, pour apaiser tant de querelles, tant que les hommes ne parviendraient là à dépasser et à surmonter leur ego, nous aurons toujours là de quoi nous plaindre. Dépasser son ego pour mettre sa sagesse au profit d'un plus grand nombre. Je me saisirai toujours de mon bâton de pèlerin pour ramener au cœur du débat, de gré ou de force, la réflexion. De quoi on s'en défend pour nous libérer de ces tracas et de cette esclavage mental dont nous sommes encore si conditionnés, qui de surcroît obstruit là de fait notre instruction et notre épanouissement, mais ici-bas. Un véritable coup de pied au cul sur notre autonomie intellectuelle que prétend régir nos institutions par leurs textes qui font loi, textes si fantasques qu'ils relèvent d'un fantasme plus que répugnant, que rejette l'opinion publique en bloc. Cette virgule que la communauté internationale déplace comme bon lui semble, pour ne pas citer ici le cas particulier de la Cour pénale internationale qui par son jeu jette tant de discrédit, qui par ce jeu jette un trouble fait à nous maintenir là dans un esclavage mental de type moderne. Que la virgule devienne une pièce maîtresse de ce jeu de dames ô combien dramatique, mes cœurs. Voilà que par mes larmes et mes cris de souffrance, le vœu du peuple congolais se fait entendre au-delà de ses frontières. Oui, on comprend mieux la peine que nous engendre cette situation, la peine qui nous ronge de l'intérieur. Que la virgule incite à la prose qui mène à la pause aurait pu nous suffire. Mais dans la situation actuelle des choses, cela ne nous suffit guère. Et nous demandons qu'une chose, qu'une seule chose, qu'on y mette fin avec un point final. Le tout ici n'est pas de m'avoir compris, mais surtout que
que vous ayez en tiré quelque chose. Et par ce jeu qui tend à être un véritable jeu de piste, que vous avez saisi l'essentiel de mon message. Oui, cela n'a pas toujours été aussi sage. Mais la douleur est le propre de notre expression qu'on essaie de partager pour que vous puissiez voir autrement le Congolais. Nous ne sommes pas que ce qui se dit. Nous ne sommes pas que ce que l'on voudrait qu'on soit. Nous sommes ce que vous voyez là devant vous. À bon entendeur, salut.